C'est l'événement ce soir en direct du Théâtre Antique d'Orange. Orange dont vous découvrez, regardez, les toits de la vieille ville, le Mont Ventoux et le Mont Mirail, tout là-bas sur ces images. Bienvenue les amis, nous sommes ici en direct du Théâtre Antique pour donner le coup d'envoi à Décorégie. Bonsoir Orange, ça va? Soyez les bienvenus pour cette 8e édition de Musique en Fête, la soirée de tous les amoureux de la musique, de toutes les musiques, de l'opéra à la chanson française. C'est une soirée magique que vous allez vivre en direct sur France 3 et sur France Musique, notre partenaire. Les plus belles voix vont défiler ici, sur cette scène. Et pour les accompagner, regardez, ils sont déjà en place, les artistes du chœur de Parme, que voici. Et attention, cette année, ce n'est pas un, mais deux orchestres que nous avons réunis pour l'occasion. L'Orchestre Régional Avignon-Provence, que voici. Et l'Orchestre Régional de Cannes, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et le tout sous la baguette de nos deux maestros de Musique en Fête, Didier Benetti et Luciano Acocella. Vraiment, je compte sur vous tous ici pour chanter, pour taper dans les mains, pour mettre le feu et enflammer ce théâtre antique, d'accord? Et pour nous guider ce soir, une vraie passionnée pour qui l'opéra n'a plus de secret. On est ravis de l'accueillir dans la famille Musique en Fête. Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, Judith Chen de France Musique. Sublime. Bonsoir Cyril. Tout en or. Judith, je suis ravi qu'on fasse équipe pour la première fois. Et c'est une joie partagée. Sublime. Alors, on va commencer avec quoi ce soir et surtout à quoi peut-on s'attendre? De l'émotion, je pense que c'est la première chose de l'opéra, évidemment, mais pas seulement. On va varier les styles, on va varier les plaisirs, opérettes, chansons françaises, comédies musicales. Il va y en avoir pour tous les goûts, bien sûr, interprétés par des voix magnifiques, c'est la marque de Musique en Fête, des grands artistes de renommée internationale, mais pas seulement, il y a aussi de tout jeunes gosiers. Oh, des jeunes gosiers, tiens. D'ailleurs, vous pouvez vous aussi commenter la soirée et nous dire quels sont vos coups de cœur avec le hashtag Musique en Fête sur Twitter. On vous attend, évidemment. Alors, Judith, avec quoi et surtout avec qui commençons-nous cette belle soirée? Moi, je crois qu'il faut commencer fort. Alors, on va commencer avec un extrait de la Traviata de Verdi. Pas mal. Le drame, l'amour, comme ça, tout de suite. Nous sommes à l'acte 2. Alfredo, amoureux fou, chante pour Violetta cet air sublime. Elle calma l'ardeur de mon esprit brûlant par le serein sourire de l'amour. J'adore l'idée. Pour l'interpréter, nous accueillons Kevin Amiel, Révélation Classique Adami. C'est l'organisme qui soutient les jeunes artistes tout au long de leur carrière et qui est notre partenaire ce soir. Et Kevin Amiel, qui avait fait ses débuts ici même, l'an dernier, sur la scène de Musique en Fête. Eh bien, ce soir, il a l'honneur d'ouvrir cette 8e édition. Le voici donc dans La Traviata. Bonne soirée à tous et vive la musique sur France 3 et France Musique.
Kevin Haniel dans La Traviata, un grand bravo à tous. Restons chez Verdi, si vous le voulez bien, avec maintenant un extrait de Nabucco, le premier triomphe populaire du compositeur, avec cette histoire du peuple hébreu en quête de patrie, d'unité, de liberté. Verdi a enflammé l'étincelle patriotique de toute l'Italie, réalisé son premier coup de maître, vous les voyez. Il s'avance, Nicolas Cavalier, Fabienne Conrad, Béatrice Oria Monzon, Irakli Kakidze et Jean Tedjen qui nous interprètent le magnifique final de l'acte 1. C'est à vous. Magnifique extrait de ce Nabucco de Verdi. On continue notre soirée. C'était la révélation classique de la Dalmi en 2010.
Elle est à Musique en Fête pour la deuxième fois et pour notre plus grand bonheur, elle, c'est Aude Extremo. Ce soir, elle nous propose un extrait de l'opéra de Donizetti, Lucrèce Borgia, grand drame romantique d'après Victor Hugo. Elle y incarne Orsini, un jeune homme, vous la voyez ici, chapeauté et en costume. Écoutez, il porte un toast et donne son secret du bonheur à ses amis. C'est toujours bon à prendre. Merci Aude Extremo. Chaque année, Musique en Fête fait découvrir de jeunes talents et c'est justement une nouvelle voix que nous accueillons à présent, la soprano catalane Sara Blanc-Freixes. Elle est piquante, légère. On va poursuivre avec elle dans l'univers de Donizetti, mais cette fois-ci avec une comédie, Don Pasquale. Sara Blanc-Freixes interprète Norina, ce personnage espiègle, pétillant, du sur-mesure.
Princesse, soprano catalane, ici pour la première fois qu'il rejoint le public. Lui, c'est un véritable habitué de musique en fête. Il va rejoindre le plateau. C'est aussi l'un des barytons français les plus convoités de sa génération. Et nous sommes ravis de le compter parmi nous ce soir. Lui, c'est Florian Sompet. Dans quelques semaines, ici même, dans le cadre des Corégies, il va chanter Le Barbier de Séville de Rossini. Ce barbier qu'il aime beaucoup et dans lequel il brille. Le voici, Florian Sompet, dans le rôle de ce joyeux barbier. Che bel piacere!
Fantastique ce barbier de Séville. Florian Sempé, s'il vous plaît, Orange. Quel bonheur. J'espère que vous passez une belle soirée, ça n'est que le début en tout cas. Alors on vient de vivre de grands moments d'opéra, mais je vous ai promis aussi de la chanson française ce soir. Ça va être le cas tout de suite avec l'un des plus grands noms de la chanson francophone. L'artiste qu'on va accueillir vient de fêter ses 55 ans de carrière. Écoutez ce chiffre, il a vendu plus de 100 millions d'albums à travers le monde. Vous imaginez ce que ça représente ? Jacques Brel disait de lui qu'il est un tendre jardinier de l'amour. Alors c'est vrai que ses chansons donnent envie de tomber amoureux, elles sont toujours pleines de passion. Pleine de tendresse, pleine d'humour aussi. En fait, c'est un chanteur qui fait du bien. Et c'est pour ça qu'il est avec nous ce soir. Ses tubes sont indémodables. Et vous savez quoi ? On va le prouver tout de suite, Orange. On fait un petit test. Si je vous dis, vous permettez que j'emprunte votre... Eh bien, vous êtes parfait. Deuxième test, on va voir si vous suivez aussi. Mais laisse mes mains... Ne fais pas... Oui, tu l'auras. Tu seras ma. Vous êtes parfait, applaudissez-vous, les amis. Et des tubes, il y en a tant d'autres. Tombe la neige, les filles du bord de mer, Inch'Allah, vous l'avez compris, c'est Salvatore Adamo qui est avec nous ce soir. Il va nous interpréter le fameux Mes mains sur tes hanches. C'était le tube de l'été 1965. Voici donc Adamo sur la scène de Musique en Fête. Bonsoir. Sois pas fâché si je te chante les souvenirs de mes 15 ans. Ne boude pas si tu es absente de mes rêveries d'adolescent. Ces amourettes insignifiantes ont préparé un grand amour. Et c'est pourquoi je te les chante et les présente tour à tour. Oui, c'est pourquoi je te les chante et les présente tour à tour. Elle est
première chanson. Dans chaque fille que j'ai connue, c'est un peu toi que je cherchais. Quand dans mes bras je t'ai tenu, moi je tremblais, je comprenais que tu es sorti d'une fable pour venir habiter mon rêve. Et ce serait bien regrettable que notre amour ainsi s'achève. Oui, ce serait bien regrettable que notre amour ainsi s'achève. Mais laisse mes mains sur tes hanches, ne fais pas ces yeux furibonds. Oui, tu l'auras ta revanche, tu seras ma dernière chanson. Laisse mes mains sur tes hanches, ne fais pas ces yeux furibonds. Oui, tu l'auras ta revanche, tu seras ma dernière chanson. Grand bravo à Salvatore Adamo et merci à la soprano Chloé Chaume qui nous a fait le plaisir de vous accompagner ce soir ici au Théâtre Antique d'Orange. Musique en fait aime faire dialoguer les genres musicaux, c'est même l'une des signatures de cette belle soirée. Alors après ce moment de chanson, retour à l'opéra avec un septuor tiré de la Cenerentola de Rossini. La Cenerentola, c'est l'histoire de Cendrillon, sans fée ni citrouille ni pantoufles de verre, mais tout aussi merveilleuse. Voyez, écoutez, nous sommes à la fin de l'acte 1. Cendrillon arrive au bal, elle a l'apparence d'une princesse, subjugue le prince. Toute l'assemblée se demande qui est cette beauté. Et ce soir, c'est Carine Déhaye, bien entourée. Oh,
Merci à tous pour ce joyeux septuor qui referme le premier acte de la Cenerentola de Rossini, tous donc autour de Karine. Et on va poursuivre cette soirée musique en fête avec la chanteuse Hélène Carpentier. C'est l'une des révélations classiques Adami 2018. C'est aussi la lauréate du concours Voix Nouvelle qui récompense chaque année un jeune talent qui a lancé de belles carrières comme celle de Karine Dehaie que nous venons d'entendre dans Cendrillon d'ailleurs. Hélène Carpentier, la voici. Elle va nous interpréter un air de l'élixir d'amour de Donizetti. Adina déclare sa femme au jeune paysan Nemorino. Écoutez. Thank you.
22 ans et tant de grâce. Merci Hélène Carpentier, vous qui nous rejoignez sur France 3 pour Musique en Fête. Soyez les bienvenus, nous en parlions tout à l'heure. La mezzo-soprano Karine Dehaye nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. C'est une fidèle de Musique en Fête et des Corégies. Dans quelques jours, elle sera d'ailleurs ici même à Orange pour un récital. Mais pour l'heure, place à l'opéra avec le final de la Cenerentola de Rossini. Tout est bien qui finit bien, rassurez-vous, Cendrillon et le prince ont trouvé l'amour. Oh,
Non più mi sto canto fu starò sono dormito a quell'amo sogno già vino lungo palpitar a quell'amo un sogno nuovo a quell'amo Karine Day, qui était notre princesse, notre Cendrillon de France 3 ce soir. Bravo Karine. Continuez à commenter l'émission avec le hashtag Musique en Fête sur Twitter. Regardez, je suis dans les gradins parce que maintenant on va passer à la pop et aux comédies musicales. Je suis entouré des 200 enfants qui participent au projet Pop the Opera. Regardez, applaudissez-les. Ils sont là en orange et en bleu. C'est un projet dans le cadre des Corégies. Et alors certains étaient déjà avec nous. L'année dernière, ils avaient mis le feu en chantant notamment du Michael Jackson. C'est le cas de Julie, ma voisine. Ça va, Julie ? Ça va, oui. Tu gardes quel souvenir de l'année dernière ? T'étais au milieu de cette scène, là, devant 8500 spectateurs. C'était incroyable d'être en face de milliers de personnes. Et t'as vécu une expérience dingue. Et t'as eu envie de recommencer cette année, c'est ça ? Exactement. Tu chantes depuis quel âge ? Depuis que je suis petite. Et quel âge tu as aujourd'hui ? 17 ans. Presque. Alors, vous êtes tous des collégiens et des lycéens, c'est ça ? Collégiens et lycéens de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est ce qu'il faut dire maintenant. Et ils ont tous préparé un grand spectacle autour de la pop et de l'opéra qui se jouera ici, sur la scène du Théâtre Antique. Et bien ce soir, ils vont nous interpréter un tube composé par Elton John, qui est connu aussi bien des enfants que des parents et même des grands-parents. Si je vous dis l'histoire de la vie, le cycle éternel, c'est la chanson du Roi Lion, le dessin animé culte de Disney avec Timon, Pumba, Simba et tous les autres. Un dessin animé qui est devenu l'une des comédies musicales les plus jouées dans le monde depuis sa création. C'était à Broadway en 1997. Écoutez-moi bien, il y a eu plus de 18 000 représentations. Eh bien, les 200 enfants de Pop the Opera sont en train de s'installer sur la scène. Ils sont tous là. Ils vont être accompagnés ce soir par deux chanteurs de gospel à la voix exceptionnelle. Ils s'appellent Stevie et Fabrice Clerc. Je compte sur vous, Orange. Est-ce que vous avez les mouchoirs de couleur avec vous ? Allez-y, tout le monde sort ses mouchoirs de couleur parce que vous allez faire partie du show. Vous allez chanter, vous allez danser avec eux. Est-ce que vous êtes prêts à la maison ? Je vous rappelle que tous ces enfants participent à l'opération Pop the Opera. Est-ce que tout le monde est en place ? Oui, est-ce que vous êtes prêts à chanter, à les encourager ? À la maison, vous aussi, vous allez chanter. C'est l'histoire de la vie. Voici le Roi Lion, Pop the Opera, les enfants de Musique en Fête. Come on.
à l'infini. Tu t'éveilles aux merveilles de la terre qui t'attend et t'appelle. Tu auras tant de choses à voir pour franchir la frontière du savoir. Bravo à tous, à tous les enfants de Pop The Opera qui ont fait vibrer le théâtre antique d'Orange ce soir. J'en profite pour remercier aussi les fidèles chefs d'orchestre de Musique en Fête, Didier Benetti et Luciano Acocella. Voilà, Didier qui est là et Luciano qui arrive. Il dirige ce soir les orchestres d'Avignon et de Cannes, spécialement réunis pour cette soirée. Grand bravo à vous deux. Et puis place à Puccini, sans plus attendre. À la radio, vous ne le voyez pas, mais imaginez, chers auditeurs de France Musique, le ciel étoilé d'Orange. Le ténor Florian Lacconi, présent chaque année à Musique en Fête, nous interprète maintenant le célèbre air de Tosca de Puccini et Luce van le Stelle. Et autrement dit, les étoiles brillaient. C'est à vous. Thank you.
Magnifique! La grande mezzo-soprano Béatrice Uria Monzone, qui est une fidèle de Musique en Fête depuis plusieurs années. Merci Béatrice pour ce patché qui nous a donné des frissons, hein, Judith. Vous avez aimé?
Alors, ce qui fait la magie de Musique en Fête, c'est évidemment ces artistes fantastiques comme Béatrice qu'on vient d'accueillir, mais c'est aussi et surtout ce merveilleux lieu dans lequel on est, ce théâtre antique d'Orange ici, qui est un véritable bijou. Oui, c'est certain. C'est même l'un des plus beaux héritages de la Rome impériale. Et se retrouver ici, pour vous, cher public, pour les artistes, pour nous aussi, c'est sans doute assez vertigineux. C'est un petit peu comme si on regardait l'histoire depuis le haut de ce mur de scène, ce mur majestueux, miraculeusement préservé, 103 mètres de long, 37 mètres de haut. La plus belle muraille de mon royaume, disait Louis XIV, et la statue d'Auguste. Mais oui, regardez Auguste là-haut qui nous salue, qui veille sur nous ce soir et sur les artistes. Et à l'époque, il y avait déjà du grand spectacle ici. Donc, se retrouver pour Musique en Fête, pour chanter, pour du spectacle, quoi de plus naturel, Cyril? Ah bah rien d'autre, c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Alors vous vous demandez peut-être à quoi ressemblait ce théâtre antique à l'époque, au temps des Romains. Eh bien on va remonter le temps, tout de suite, tous ensemble, avec vous tous à la maison et vous le public du théâtre antique. Est-ce que vous êtes prêts à faire le décompte? Vous allez voir ce qui va se passer sur le mur. Attention, 3, 2, 1, et regardez le mur se transformer. Voilà le théâtre comme il était à l'origine. On y est. On y est. Nous sommes Romains, vous et moi, Judith. Notre soirée. On peut d'ailleurs applaudir le travail de toutes les équipes de Morgan Productions et de France 3 qui vous offrent ce spectacle incroyable et vous allez voir qu'il va s'en passer des choses sur ce mur tout au long de la soirée. Alors notre soirée continue, justement. On va partir du côté de l'Italie et de Verdi, qui n'était pas né à l'époque des Romains, mais c'est quand même avec lui qu'on va continuer maintenant. Et oui, on va continuer avec un extrait d'un de ses opéras qui s'appelle I Lombardi. C'est un chant d'amour qu'on va entendre. Chant d'amour que le héros adresse à sa bien-aimée, qui à ce moment-là est prisonnière des griffes d'un tyran. La peau. C'est Jean-François Borras, le ténor monégasque, applaudi dans le monde entier, toujours fidèle à Musique en Fête, qui va nous l'interpréter, qui dit mieux. Ah bah non, moi je l'attends avec impatience, accompagné par les orchestres de la région d'Avignon et de Cannes, sous la direction de Luciano Acocella. Voici Jean-François Borras. Grand bravo, grand merci Jean-François Borras pour cet extrait de Verdi. Et Verdi, toujours à présent, mais dans un tout autre registre de l'art, nous allons passer à la guerre avec Attila, le roi des Huns.
C'est un opéra grandiose et patriotique qui mêle histoire avec un grand H et intrigues amoureuses, vengeance personnelle et guerre barbare entre païens et chrétiens au 5e siècle. Du grand Verdi, comme vous allez le constater avec cet air magnifique pour voix de basse, dans le rôle titre de ce roi sanguinaire, c'est Nicolas Cavalier, un fidèle de Musique en Fête. Nicolas Cavalier, vous êtes prêt? Alors c'est à vous. Il mondo avrà, salve i figli, dice il mondo.
Un grand bravo aux artistes du chœur de Parme qui était dirigé par Luciano Acocella dans ce puissant, dramatique O Fortuna, extrait du Carmina Burana de Karl Orff, un des thèmes sans doute les plus connus du XXe siècle, avec cet orchestre, donc double orchestre, qui nous accompagne ce soir à Avignon et Cannes. Chers téléspectateurs de France 3, chers auditeurs de France Musique, c'est une belle découverte qui nous attend à présent. Une nouvelle voix, la mezzo-soprano Ambroisine Bray, sacrée révélation classique de la Dami l'an dernier. Elle interprète ce soir pour nous le célèbre « J'ai perdu mon Eurydice ». C'est un extrait de l'opéra de Gluck, Orphée et Eurydice. Orphée désespéré pleure la mort de sa bien-aimée qu'il croyait pourtant avoir ressuscitée. C'est à vous, Ambroisine. Thank you.
Quelle intensité, merci beaucoup pour ces larmes habitées. Notez qu'Ambroise Ingré reviendra le 16 juillet prochain au Régie d'Orange pour le concert des révélations classiques de l'Adami. Place maintenant à la maîtrise des Bouches-du-Rhône et à son tout jeune soliste, il s'appelle Luca Wolfin. Et il sera aussi entouré par les artistes du chœur de Parme. Et ce, pour sans doute l'une des plus belles pages de la musique sacrée, le Laudate Dominum de Mozart. Écoutez ce bijou de pureté, de sérénité. C'est un extrait des Vêpres solennelles, une œuvre composée en 1780. Luca Wolfin a 11 ans. Il suit cet enseignement à la maîtrise des Bouches-du-Rhône depuis 5 ans déjà, et il a déjà un carnet de bal très bien rempli ici. Donc, eh bien, les voici déjà prêts. Donc, c'est à eux, sans plus tarder, Laudate Dominum de Mozart dans Musiques Enfantes. Thank you.
du Rhône, sont une bonne soliste, le chœur Ruffin et les artistes du chœur de Parme. Merci et bravo à vous tous et merci à tous ceux qui nous rejoignent sur France 3 et France Musique pour Musiques en Fête. Nous l'avons entendu tout à l'heure dans le quintet de Nabucco. Fabienne Conrad revient maintenant en solo pour nous interpréter l'air de la Wally de Catalani et Benneandro Lontana. C'est cet air qui hante le film de Jean-Jacques Benex, Diva. La Wally refuse le mariage que son père lui impose. Elle préfère encore se retirer dans la montagne pour échapper à son destin. Fabienne Conrad, dans sa sublime robe bleue, s'avance sur la scène du théâtre antique pour donc ce fameux air de la Wally de Catalani. Fabienne et Luciano, tous les musiciens des orchestres, c'est à vous.
Grand merci et bravo, Fabienne Conrad. Revenons à Verdi avec un extrait d'Hernani, opéra adapté de la pièce de Victor Hugo, comme Lucrèce Borgia tout à l'heure. D'ailleurs, Hugo, comme Shakespeare, ont beaucoup inspiré les compositeurs. Trois hommes se disputent le cœur d'une seule et même femme, Elvira. Et c'est Jean Tedjen, magnifique basse française, qui joue le rôle de l'un d'eux. Sylvain, l'oncle abusif qui veut épouser de force la jeune femme. Jean Tedjen, c'est à vous. Bravo, merci Jean Tedjen. Le public français ne connaît pas encore bien le ténor géorgien qui va maintenant rejoindre la scène du théâtre antique. Irakli Kakidze va interpréter le célébrissime Nessun Dorma de Turandot de Puccini. Cet air qui culmine avec un contrut, note aiguë, si difficile à atteindre, mais qui touche au cœur les auditeurs et les spectateurs. Nessun Dorma, que personne ne dorme, surtout non, ne dormez pas. On les écoute. Il mio mistero
Nessundoma, Puccini, irrésistible, et le public debout ici à Orange. Merci Irakli Kakidze, merci aux artistes du Chœur de Parme pour ce grand moment. Nous vous le disions avec Cyril Ferraud en ouverture de cette soirée exceptionnelle Musiques en Fête, c'est la musique en majesté, tout style confondu. Alors changement d'ambiance à présent, retour au cœur de cette belle Provence où nous nous trouvons ici, puisque c'est un extrait de l'opéra provençal que nous allons entendre maintenant, Mireille de Gounod, inspiré d'un texte du poète Frédéric Mistral. Gounod a eu un tel coup de foudre pour ce poème d'amour qu'il est venu jusqu'ici sur les lieux pour s'immerger et écrire son opéra. Ce sont les artistes du Chœur de Parme et les danseurs de l'Opéra d'Avignon qui nous interprètent la farandole des paysans tout de suite. Les amis, la soirée continue sur France 3. Bravo aux danseurs de l'Opéra d'Avignon et aux artistes du Chœur de Parme qu'on peut féliciter, vraiment. Plus fort que ça, Orange. Vous êtes très nombreux à commenter l'émission sur Twitter. Continuez surtout avec le hashtag Musique en Fête. Il y a une grande chanteuse à laquelle nous voulions rendre hommage ce soir, ici à Musique en Fête. Une grande voix, l'une des plus belles de la chanson francophone qui nous a quittés brutalement il y a quelques semaines. Une voix grave, chaleureuse, envoûtante, c'est celle de Morane. Ce soir, c'est l'une de ses plus belles chansons que nous allons écouter, portée par la mezzo-soprano Aude Extremo et la maîtrise des Bouches-du-Rhône, maîtrise des quartiers nord de Marseille, qui sont avec nous ce soir. Ils sont dirigés par Didier Benetti, le tout dans une version spécialement écrite pour Musique en Fête, sur un prélude de Bach. C'est notre hommage. Nous voulions rendre hommage à Morane ce soir avec toutes ses sublimes voix, ici, au Théâtre Antique. Je suis sûr que vous aussi, vous allez chanter devant votre télé, et vous aussi, vous allez être touché. On pense à elle ce soir, sous les étoiles. Peut-être qu'elle nous regarde.
Voici, regardez, l'hommage à Morane. Un grand merci à Aude Extremo et à la maîtrise des Bouches-du-Rhône pour cet hommage à Morane au milieu des étoiles sur le ciel d'orange. Place maintenant à l'un des deux opéras français les plus joués au monde avec Carmen, c'est Faust de Gounod. On connaît quelques airs, notamment l'air des Bijoux, si cher à la Castafiore. Ici, c'est le trio final entre Faust,
Marguerite et Méphistophélès. Écoutez comme c'est beau. Ils s'avancent sur scène, on les retrouve. Florian Laconie, Nicolas Cavalier et Armen Le Courdoyan sous la baguette de Luciano Acocella. Vous êtes prêts tous les trois, l'orchestre aussi? Alors, c'est à vous. Florian Laconie, Nicolas Cavalier et Armel Courdoyan. Bravo à tous les trois. Vous l'avez déjà entendu tout à l'heure dans le virevoltant septuor de la Cenerentola de Rossini, et c'est un nouveau venu dans l'aventure de Musiques en Fête. Afin de faire plus ample connaissance avec sa voix de baryton, Christian Elmer revient maintenant en solo pour interpréter un extrait de la Traviata de Verdi. Souvenez-vous, on a ouvert avec un air d'Alfredo, et bien maintenant, place à Germont Père, magnifique personnage. Christian Elmer, les orchestres de Cannes et d'Avignon sous la direction de Luciano Acocella. Al natio fulgente sol,
Come on, 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 come on
Jean-François Maurras et Fabienne Conrad dans le magnifique duo d'amour du dernier acte, regardez Bonella Salvatore, du dernier acte de la Traviata de Verdi. On est très heureux de vous retrouver, Salvatore, vous allez chanter avec nous pour la seconde fois dans un instant. Alors, c'est la deuxième fois que vous participez ici à Musique en Fête. Quand on est chanteur, qu'est-ce que ça fait d'être sur cette scène, dans ce théâtre incroyable? C'est très impressionnant d'abord, très intimidant. Et c'est un immense honneur, comme vous le dites, c'est la seconde fois. Et chaque fois, je ne peux pas m'empêcher de penser à mon père, qui était un grand fan d'opéra, de musique classique. Il a été ravi d'entendre ces voix magnifiques, alors qu'il a dû se contenter de la voix cassée de son fils. Et malgré tout, il m'a encouragé, c'est lui qui a frappé à la bonne porte. Et Dieu sait qu'on l'aime, la voix cassée de son fils, comme vous dites. J'allais vous demander justement votre rapport à la musique classique. Quand vous étiez petit, je crois que vous chantiez déjà dans des chorales, c'est ça ? J'ai essayé, oui. Et après quelques semaines, monsieur le curé, qui était le maître de la chorale, m'a conseillé de faire autre chose. Donc je... Ah, lui aussi. Ah ben ça vous a servi, finalement. Voilà. Regardez. Vous êtes content de le retrouver, Salvatore Adamo, les amis d'Orange. Merci, merci. Ben, je suis content de vous retrouver aussi. Ouais. Alors, vous savez quoi? Regardez, la maîtrise d'Avignon vous attend. Je vous propose d'aller les rejoindre, Salvatore, et pour ce deuxième moment. Merci à Didier Benetti pour les arrangements somptueux. Notre chef d'orchestre. Et à l'orchestre, merci. Merci à l'orchestre, à nos deux orchestres réunis ce soir. Allez-y, Salvatore. Et vous tous continuez évidemment à commenter l'émission. On va lire quelques tweets. Il y a Rose par exemple qui nous dit « Belle découverte du classique ce soir, de grandes voix dans un lieu chargé d'histoire. Merci France 3. » Steve qui nous dit « Un événement ensoleillé par la passion et l'émotion d'artistes exceptionnels. » Et Antoine qui nous dit « Merci pour ce moment unique avec toutes ces voix incroyables dans un décor aussi somptueux. » Voilà, on aime vous faire passer des moments comme ça sur France 3, sur France Musique. J'espère que vous vous régalez vraiment à la maison. Vive le service public, comme on dit. Voici Salvatore Adamo. Si tu étais la terre, moi je serais son air. Tu serais ma moisson, ma loi. Je mourrais ravi de t'avoir vu en fleurs, m'endormant à jamais en toi.
je n'existe que par toi. Par toi. Bravo Salvatore Adamo, maîtrise d'Avignon et le chef et arrangeur Didier Benetti. Vous êtes bien sur France 3 en direct depuis le magnifique Théâtre Antique d'Orange, au cœur de cette belle Provence, en partenariat avec France Musique. N'hésitez pas à partager vos réactions sur le hashtag Musique en Fête. Vous pourrez aussi revoir évidemment les meilleurs moments de la soirée sur Internet via le site de France 3 à la page Musique en Fête. Alors depuis toujours, Musique en Fête donne sa chance aux jeunes chanteurs. Ce soir, ce sont trois jeunes hommes encore étudiants au Conservatoire d'Aix-en-Provence et d'Avignon que nous allons accueillir. Ils vont interpréter les trois ministres de la cruelle Turandot. Fabien Barcelot et Ping, Valentin Til et Pang, et Moïsès Ordonez Alarcon et Pong. Ils accompagnent Florian Laconi, qui campe Calaf, le prince fou d'amour pour Turandot, Chloé Chaume, l'esclave Liu, qu'il aime depuis toujours, et Frédéric Caton, le roi Timur, son père. C'est le final de l'acte 1 de Turandot, tout de suite. Donc sur la scène d'Orange pour Musiques en Fête, Turandot, opéra en trois actes, cinq tableaux créés à la Scala de Milan en 1926 sous la baguette d'Arturo Toscanini. C'est à vous trois. Oh,
Un grand bravo à tous les six pour cet extrait de Turandot de Puccini. Grand merci. On se tourne maintenant vers Donizetti, mais en français, cette fois avec La fille du régiment. Nous allons écouter successivement deux extraits, deux maris différentes. Chloé Chaume va nous interpréter dans quelques instants « Il faut partir, mes bons compagnons », mais il faut qu'elle se remette de ce Turandot. Avant elle, nous allons écouter Amélie Robbins. Elle aussi, dans le rôle de Marie, elle a fait ses premiers pas de chanteuse professionnelle ici même, à Musiques en Fête, c'était en 2014. Depuis, elle nous est fidèle et nous aussi. Voici qu'elle interprète le fameux « Salut à la France ». Mesdames, messieurs, Amélie Robbins. Thank you.
Rachel à l'instant, successivement deux belles Marie de la fille du régiment de Donizetti. Grand merci. On retrouve à présent Florian Sempey dans le Barbier de Séville de Rossini. Cette fois-ci, il n'est pas tout seul. Il est accompagné, vous le voyez, d'Ambroisine Bray qui tient le rôle de Rosine. Les deux complices fomentent un plan pour que les amoureux Rosine et le comte Almaviva puissent se donner rendez-vous en secret. Écoutez ce duo gracieux, jubilatoire, en direct du théâtre antique d'Orange. Florian, Ambroisine, c'est à vous. Rossini attend vos belles voix pour nous enchanter. Thank you.
Spectateurs qui nous rejoignent, peut-être des chaînes d'en face, soyez les bienvenus sur France 3 pour Musique en Fête, c'est l'événement en direct du Théâtre Antique d'Orange. Alors maintenant, place à l'opérette avec La Veuve Joyeuse de Franz Lehár, une œuvre très rythmée où il est question d'amour, mais surtout de désir, avec des dialogues parfois savoureux. Par exemple, à un moment, l'un des personnages dit « Tombe amoureux, souvent, fiance-toi, rarement, ne te marie jamais ». Voilà, ça donne le ton de cette œuvre. Pas moins de 7 hommes vont nous rejoindre pour chanter les femmes, toutes les femmes, dans le septuor. Ah, les femmes, 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 femmes. Alors, messieurs et vous, mesdames, évidemment, on va chanter avec eux, mais je vous propose de répéter un peu, voyez, pour bien maîtriser le refrain. Et pour ça, attention, voici notre maestro Didier Benetti. Venez là, Didier. Et bravo vraiment à Didier et à Luciano à Coachella, hein, vraiment nos deux maestros qui font des merveilles ce soir encore. Alors Didier, venez par là, regardez. On va répéter le refrain, d'accord ? Exactement, tout à fait. Alors, on est prêts ? On fait un duo là, comme ça ? On essaye. Attention, je ne suis pas responsable. Hein. Vous chantez avec nous les amis. Okay. Attention, 1, 2, 3. Le jour qu'Ève écouta le malin, commença l'éternel féminin. Est-ce un vaudeville ou un mélodrame ? Oh les femmes, 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 femmes ! Encore une fois ? Juste la fin ? Attention, vous êtes prêts ? Oh les femmes, 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 femmes ! Ah bah bravo, applaudissez-vous ! Bravo Didier ! Allez, c'est bon, je crois que vous êtes prêts. Didier, je vous laisse prendre votre place. Voici donc nos 7 chanteurs. Christian Elmer, Florian Sempé, Kevin Amiel, Philippe Talbot, Fabien Barcelot, Valentin Thiel et Moises Ordonez Alarcón dans La Veuve Joyeuse pour Musique en Fête. Thank you.
cet homme. Pour chanter Les Femmes Fallait, au moins ça, Christian, Florian, Philippe, Valentin, Kevin, Fabien et Moïse, merci. Celle que nous retrouvons à présent est une révélation classique de la Dami 2014. Il s'agit de la soprano Armelle Courdoyant, qui a déjà fait ses premiers pas l'année dernière pour Musiques en Fête. Ce soir, elle nous interprète A Non Credea, un extrait de La Somnambule, l'un des chefs-d'œuvre du Bel Canto, signé Bellini. C'est à vous, Armelle, sous les étoiles. Thank you.
Et Nicolas Cavalier, vous avez noté qu'il repartait sur son cheval. On a osé. Oui, on a osé. Est-ce que vous passez une belle soirée? Oui. Ah bah, il est là. Il m'a fait la surprise. Nicolas Cavalier. Alors, on va prendre le large, maintenant, avec Christophe Colomb. Rien que ça. Souvenez-vous de 1492, le film de Ridley Scott, qui racontait l'épopée du navigateur en route vers l'Amérique. Alors, si vous n'avez pas vu le film, sa musique, en revanche, c'est sûr, vous la connaissez. La conquête du paradis, c'est le tube du film, et l'une des bandes originales les plus vendues dans le monde. On la doit à Vangelis, l'un des pionniers de la musique électronique des années 70, un compositeur grec devenu célèbre pour ses musiques de film. Et ce qui est incroyable dans cette musique, c'est qu'en quelques notes, tout y est. Le côté épique, conquérant, l'ouverture sur le monde. Bref, c'est un vrai régal. Et d'ailleurs, observez bien le mur derrière, là-bas. Dans quelques instants, vous allez voir des œuvres du dessinateur de bande dessinée Philippe Druyer, qui va illustrer l'épopée de Christophe Colomb, rien que pour nous. Alors n'hésitez pas à chanter et surtout à allumer vos téléphones. Allez-y, tout le monde prend les téléphones, on sort les torches, on va mettre le cap et les voiles vers l'Amérique. Attention, Christophe Colomb, c'est parti. Thank you.
grand merci à tous, à la maîtrise d'Avignon, aux artistes du chœur de Parme et à Didier Benetti à la baguette. On va poursuivre joyeusement cette soirée en direct avec Offenbach, car les deux prochaines séquences lui sont consacrées. Dans quelques instants, nous entendrons Amélie Robbins dans l'air virtuose d'Edwige de Robinson Crusoe, mais avant cela, il s'avance, on va retrouver un habitué de musique en fait, c'est le ténor Philippe Talbot, et lui nous chante un air extrait de l'opéra Les Brigands. Philippe Talbot, c'est à vous en ce 20 juin, jour anniversaire d'Offenbach, figurez-vous. Thank you.
Bravo Amélie. Amélie Robbins pour cette valse d'Edwige d'Offenbach. Quelle soirée exceptionnelle. Avant le bouquet final de Musique en Fête, car ça n'est pas fini, un grand bravo. On va les applaudir bien fort, s'il vous plaît, tous les artistes qui ont défilé sur cette scène devant nous ce soir. Ils étaient plus de 200. Faites du bruit pour eux, s'il vous plaît. Un immense merci aussi à toutes les équipes de France 3, Dana Astier, Philippe Landré, Pascal Dopouridis, Hélène Peu-du-Vallon, les équipes de Morgane Productions, Sylvain Plantard, Gérard Pont, Émilie Bontemps, Alain Duhaut, Laure-Hélène Sacco, le maestro de la réalisation qui vous a fait ces images sublimes, c'est Franck Broca qu'on peut applaudir aussi. Merci à France Musique qui était notre partenaire ce soir, ainsi qu'à l'ADAMI. Et enfin, merci à celui qui nous accueille ici à Orange, puisque Musique en Fête, vous le savez, donne le coup d'envoi des Corégies. C'est Jean-Louis Grinda, le directeur des Corégies, qui est avec vous, Judith. Eh oui, tout à fait, Cyril, merci. Bonsoir, Jean-Louis Grinda. On est ici chez vous, c'est pas mal. Bon, on est ici dans un théâtre magnifique qui ne m'appartient pas, mais dont j'ai la charge pour quelques temps. Alors, les Corégies d'Orange, ça va commencer, c'est comme toujours le prélude un peu, Musique en Fête. Des surprises, vous partez carrément avec Le Diable, Mephistophélé, Boïto, pas forcément le titre le plus connu, c'est votre botte secrète. Bon, c'est une botte secrète, non, c'est une œuvre merveilleuse qui a toute sa place ici au Théâtre Antique. On voit que c'est un théâtre qui appelle l'excellence, qui appelle le grandiose, les grands cœurs, des cœurs formidables ici ce soir. Et donc, je crois que c'est une œuvre importante à présenter pour la première fois depuis 1905 au Corégie. Vous qui êtes metteur en scène aussi, Jean-Louis Grinda, cette scène-là qui nous a accompagnés toute la soirée, magnifique, ce mur d'Auguste, ça vous inspire, ça vous intimide, ça vous donne le vertige ? Écoutez, ça ne m'intimide pas parce que sinon je ne serais pas là, mais je crois que ça ne peut que m'inspirer. Ça a inspiré beaucoup de gens qui ont beaucoup plus de talent que moi avant, bien évidemment, et je tâcherai de me montrer à la hauteur de ce défi et de ceux qui m'ont précédé. Un petit mot, donc, juste pour les téléspectateurs et les auditeurs sur cette édition des Corégies d'Orange, Mephistophélé et... Et Le Barbier de Séville, avec Florian Sempé, que vous avez pu acclamer tout à l'heure, et puis Nathalie Stoussmann, qui va diriger, pour la première fois, une femme aux Corégies, sera à la tête d'un spectacle pour Mephistophélé. C'est une grande joie, et elle n'est pas ici parce que c'est une femme, elle est ici parce que c'est un grand chef d'orchestre. Des récitals, une soirée de musique russe, Fantasia de Walt Disney avec l'Orchestre National de Lyon, et puis le retour de la danse avec Maurice Béjart et sa fabuleuse flûte enchantée. Et bien c'est un peu comme musique en fait, il y en a pour tous les goûts, tous les styles. Merci Jean-Louis Grinda. Et merci beaucoup Cyril, merci pour cette soirée. Merci à vous Judith, c'était un bonheur de partager cette soirée avec vous, avec votre talent et toutes vos connaissances. Merci à vous tous de nous avoir suivis les amis, j'espère que cette soirée en musique vous a fait un bien fou tout simplement. Merci au public du Théâtre Antique d'Orange, vous avez été formidables comme toujours. Et c'est la tradition, on se quitte avec le Libiamo de la Traviata. Bonne nuit à tous sur France 3 et sur France Musique. Soyez heureux et vive la musique.